les gars, c'est quoi cette rumeur là? Cristiano à Paris, mais ça veut dire quoi ça, les frites, les hamburgers? Cristiano à Paris, oh, sur la tour Eiffel, sur l'Arc de Triomphe, ça veut dire quoi? Ils vont triompher pour une fois, mais non, je rigole. Et Canacer, vous savez, Canacer, il a dit ça, qu'il a dit qu'à Paris, il n'y aurait plus de glingling. Il n'y aurait plus de glingling de votre main glingling. Ouais, tu sais de quoi? Stop, tu sais de quoi je veux parler? Je veux parler du sujet Cristiano Ronaldo. Bienvenue sur ma vidéo, tu sais de quoi je vais parler, les frites, les hamburgers, je vais parler du sujet Cristiano Ronaldo. C'est Cristiano. Où tu veux mettre ton dos là? Où tu veux aller mettre ton dos? Alors, Cristiano Ronaldo, après l'avoir annoncé au Barça, apparemment, le président de la Liga aurait téléphoné à Wiz Campos, le directeur sportif, le nouveau directeur sportif du PSG, s'il ne pourrait pas rentrer dans les plans du PSG. Et pour la saison prochaine, pour qu'il intègre tout simplement l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais c'est pas ça, c'est que bientôt ils vont le mettre au milieu de terrain, Cristiano. Ils vont le mettre où? Expliquez-moi le nouveau système du Paris Saint-Germain. Expliquez-moi en commentaire, les frites, les amoureux. Je comprends plus rien, moi. Voilà, j'ai du mal. Du coup, ben. Apparemment, à ce que je sais, ce que j'ai pris comme source, Cristiano Ronaldo serait rentré en contact avec le PSG. Son dirigeant, il serait rentré en contact avec Nasser, tout ça et tout. Mais moi, c'est pas ça qui m'interpelle. C'est Nasser, il a dit qu'il ne voulait plus faire de retournement gling-gling. Et là, il en fait quand même. Et le pire, c'est que tu veux le mettre où, Cristiano? Tu veux le mettre avec Mbappé, Messi, Neymar? Tu veux le mettre où? Réellement, tu veux le mettre où? Il a même plus de trous pour le mettre sur le terrain. Oh, tu vas plus le mettre au cage. Tu vas pas le mettre à l'arrière-gauche. Tu vas pas le mettre défenseur. Oh, quoique, tellement il veut des stars, bientôt, avec eux, il n'y aura que des défenseurs attaquants. Que des défenseurs attaquants. La folle rumeur du jour, c'est. Donc voilà. Les frites, les hamburgers, c'est un dossier qu'on va suivre de très très près. Je pense pas que ça puisse se faire, car encore hier, Manchester, qui avait bloqué Cristiano pour qu'il puisse pas repartir, et lui qui voulait aller au Barça, après demain passer au Real, et là, Paris qui s'en mêle et qui veut se le mettre sur la dent. Mais non, mais c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible du tout. Donc voilà. J'en voyais pas. Voilà, je suis. Dites-moi là en commentaire qu'est-ce que vous en pensiez. Mais franchement, c'est pour qu'il joue au milieu de terrain ou arrière-gauche ou qu'il chauffe le banc ou qu'il aille nettoyer les crampons en Ramos. Je sais pas. Ou qu'il fasse le jardinier du Parc des Princes, oui, peut-être. Donc voilà, les frites, les hamburgers, c'était le sujet sur Cristiano Ronaldo. Je sais, j'en fais beaucoup, mais c'est le sujet qui revient beaucoup. Et je compte sur vous pour venir vous abonner, les frites, les hamburgers. Si vous êtes déjà abonné, ben, je compte sur vous pour partager cette vidéo. Pour me lâcher un commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et je compte sur vous pour venir vous abonner, les frites, les hamburgers. Si tu es déjà abonné, ben, je compte sur toi pour partager cette vidéo, pour me lâcher un commentaire. C'était l'avenir de Cristiano Ronaldo. Va-t-il aller à Paris ou à Barcelone? Ou va-t-il rester à Manchester United? On ne sait pas. Il joue les quarts. Il joue. C'est flou encore. L'avenir de Cristiano est trop flou.
Donc voilà. Et si t'es pas encore abonné, ben je t'invite à me suivre. On parle de tout. On parle de mercato, de sujets de sport, on parle d'actualité sportive, on parle de mercato, d'Euro féminin 2022, on parle de rugby, on parle de tout. Je t'invite à me suivre. Et je t'invite à me suivre, à t'abonner, à me lâcher des commentaires. J'espère que vous allez bien, les frites, les hamburgers, que votre famille se porte bien. J'espère que vous allez bien, les gars, que votre famille se porte bien. On se croit prochainement dans une prochaine vidéo. Ramenez le Bob à la maison. Va-t-il où aller, Cristiano Ronaldo?